Le fait de se lancer dans cette grande aventure, c'est ce qui est assez génial, c'est qu'on peut chaque fois en parler de ses sentiments, qu'est-ce qui avance. Mon épouse est dans la commission des costumes, il y a un certain nombre de choses qui avancent. Moi, je suis dans la commission communication, il y a aussi d'autres choses qui avancent, d'autres éléments nouveaux qui sont là. Et ça, c'est une chose assez intéressante parce qu'on a chaque fois des points de vue. Hein, on est placé depuis un autre endroit, c'est comme s'il y avait plusieurs caméras qui étaient placées et qui montraient des choses un tout petit peu différentes. Et c'est, moi, je trouve que c'est génial parce que ça donne une amplitude, un ensemble qui est vraiment super intéressant. Souvent la fête, elle ne pourrait pas se faire si on ne mettait pas tout en place, tous les éléments qu'il y a de toutes les personnes qui sont là. Alors je pense que c'est une question de partage, de complicité. On peut se raconter le soir ce qui s'est vécu dans chacune de nos commissions. Pour moi, la commission des costumes, où je m'occupe des scribes qui prennent des notes sur tablette ou sur papier par rapport à toutes les mesures. Ça représentait passablement de séances. Pour mon mari, c'est la commission communication. Donc c'est un bon moyen de communiquer entre les deux que de se raconter mutuellement ce qu'on vit. Et c'est une chose, c'est un privilège même de pouvoir participer comme ça activement à la préparation de la fête avant de se réjouir d'y participer en tant que figurant et figurante. Communication. Team costume. Tous les deux. 77 était magnifique, 99 était formidable, 19 sera exceptionnel. 99 parce que j'ai pu participer en tant que figurant. Vin blanc, mais toujours avec des gens. Vin blanc, bien frais, Saint-Symphorin ou Yvorne. Ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas très très bon. Tous les deux, c'est deux choses que j'aime bien faire. Figurant. Ah, figurant. Campagne la semaine, puis ville le week-end. Je pense qu'il y a des atouts dans les deux, donc selon les jours.